Siamo qui riuniti per presentare e discutere insieme all'autrice Catherine Malabou il suo ultimo libro che è appena uscito con Eleutera, che è uscito l'anno scorso in Francia e che ha avuto diverse edizioni tanto in spagnolo quanto in inglese. Quindi un libro che suscita un interesse non solo locale, perché qui siamo in Italia e Eleutera è una casa editrice italiana, ma anche per il tema evidentemente. Per il tema del rapporto tra filosofia e anarchismo. Il libro si intitola Al ladro, con tanto di punto esclamativo, e poi ci spiegheremo perché questo titolo di risonanza brodoniana. Però il rapporto tra filosofia, soprattutto la filosofia contemporanea, della seconda metà del Novecento e l'anarchismo è il fulcro, è il contenuto principale, è l'aspetto del libro che noi oggi qui andremo a discutere. Seguiremo un ordine, daremo la parola prima a Catherine Malabou, poi a Thomas, poi parlerò io, poi ci sarà forse una breve replica di Catherine in base alle nostre osservazioni, ma daremo spazio ovviamente al pubblico per poter interloquire con l'autrice e con i temi in discussione. Catherine Malabou è nata a Sidi Verabes, insegna a Kingston, all'Università di Kingston in Inghilterra e all'Università di Irvine in California, dove ha preso in eredità la cattedra che fu di Derrida, infatti lei è una allieva di Derrida. Ha all'attivo una numerosissima, come dire, lista di testi che possiamo riassumere con alcuni titoli. Di recente ha fatto Il piacere rimosso con Mimesis, Il trauma, Metamorfosi dell'intelligenza, Divenire forma, e potrei continuare perché la produzione teorica di Catherine Malabou è abbastanza notevole, tanto nella quantità, soprattutto nella qualità, ovviamente. E Thomas Ibáñez invece è un docente pensionato, per sua fortuna, era all'Università Autonoma di Barcellona, insegnava psicologia sociale, è molto noto degli ambienti anarchici perché è da una vita che scrive e fa militanza anarchica, ma ovviamente ha attivo numerosi testi di ricerca sull'anarchismo e non solo. Doveva esserci, come forse avete letto, doveva esserci con noi anche Donatella Di Cesare, ma stamattina è stata colpita dalla influenza di questi tempi, quindi non è potuta venire. Aveva inviato un testo di interlocuzione con Catherine Malabou che potete leggere nel sito del Centro Studi Libertari di Eleutera e eventualmente scaricarvelo. Purtroppo ovviamente i tempi odierni sono quelli che sono e quindi siamo costretti a fare a meno della sua presenza e della sua interruzione. Mi zittisco perché diamo spazio innanzitutto alla nostra ospite principale, a Catherine Malabou. Prego. Merci beaucoup. Salvo et merci à vous d'être venu. Je suis désolée de ne pas pouvoir m'exprimer en italien. Merci Sonia pour la traduction. Donc je vais rappeler les idées principales de mon livre avant de discuter d'abord avec mes deux interlocuteurs et puis avec vous. Mon livre, Au voleur, est parti de deux constats. Politique, d'abord. Nous vivons aujourd'hui une crise de l'horizontalité. Cette crise de l'horizontalité tient à la coexistence mondiale d'un anarchisme de fait et d'un anarchisme d'éveil. Coexistence qui rend difficile de distinguer rigoureusement entre la résignation et l'initiative qui marchent sur le même terrain. Anarchisme de fait, d'abord. Aujourd'hui, l'État a déjà dépéri, qui n'est plus que l'enveloppe de protection des diverses oligarchies qui se partagent le monde. Il n'y a plus rien à attendre d'en haut. Partout, le monde social est condamné à une horizontalité d'abandon. Dans les pays démocratiques, économiquement privilégiés, l'effondrement de l'État-providence,
bien que déjà ancien, continue d'imposer indéfiniment ses effets. Aucune institution étatique, ni aucune organisation parlementaire commune, le fonctionnement de l'Union européenne en est le triste exemple, ne peuvent réagir aux défis de la pauvreté, des migrations ou de la crise écologique et sanitaire autrement que par de dérisoires mesures d'urgence. Anarchisme d'éveil. Cette chute factuelle du sens social de la verticalité s'accompagne en même temps d'une prise de conscience planétaire marquée par l'essor de l'initiative collective et l'expérimentation de cohérence politique alternative. Les stratégies d'occupation, le mouvement des Gilets jaunes en France, la création des ZAD, par exemple, ont inscrit ces dernières années dans le paysage politique l'existence effective d'organisations et de modes de décision reposant sur la prise en charge collective, autogérée, d'un combat, d'un milieu, d'un territoire ou d'une structure. Il existe à l'évidence une filiation entre le tournant altermondialiste de l'anarchisme, que l'on peut dater des événements de Seattle en 1999, et l'explosion de ces phénomènes qui, sans toujours se réclamer ouvertement de l'anarchisme, se déroulent à l'écart des syndicats et des partis. La circulation de l'information y passe en effet désormais davantage par des canaux concurrents, du moins transversaux aux syndicats, dans des formes d'horizontalité qui s'opposent à l'information en silo des organisations nationales. Cela modifie la relation d'interlocution entre les individus et les groupes mobilisés et les acteurs institués qui entendent porter une parole collective. Ça, c'était le constat politique, donc l'existence de deux types d'anarchisme. Capitaliste d'un côté et révolutionnaire de l'autre. Mon livre est aussi un livre de philosophie. J'ai essayé d'analyser en parallèle de cette situation politique la situation philosophique. Dans les années 90, est né un ensemble de positions philosophiques rangées sous la bannière du post-anarchisme. Par exemple, en Angleterre et aux États-Unis, les travaux de Todd May ou de Saul Newman. Un peu aussi les travaux d'Ibanez, sous cette bannière. Or, cette philosophie de l'anarchisme, que l'on peut aussi qualifier de postmoderne, ne me paraît pas être en accord avec l'anarchisme lui-même, et Thomas Ibanez l'a justement remarqué. En effet, le post-anarchisme tire son inspiration d'un certain nombre de penseurs du XXe siècle, certes très importants, mais qui ne se sont jamais réclamés de l'anarchisme, du moins jamais franchement. Même si beaucoup d'entre eux ont mis au jour un concept important d'anarchie, je vais y revenir. En essayant de penser ces deux crises ensemble, politique et philosophie, je me suis demandé s'il ne serait pas possible d'interroger, premièrement, l'attitude réelle des philosophes du XXe siècle face à l'anarchisme, et deuxièmement, de voir à partir de là comment sortir de la crise politique de l'horizontalité. Il s'agissait d'abord de tirer au clair ce qui est resté secret, non dit, dans l'attitude des philosophes vis-à-vis de l'anarchisme, et d'en tirer des ressources conceptuelles pour construire l'anarchisme à venir. Il est d'autre part nécessaire, pour sortir de la crise, de confronter aujourd'hui l'anarchisme politique aux réalités contemporaines, en particulier au développement du libertarianisme, du cyberanarchisme et de ce que j'appelle le tournant anarchiste du capitalisme, qui correspond au capitalisme des plateformes et à l'ubérisation généralisée de la vie. Je commence par la philosophie. Dans le livre, j'ai choisi de me concentrer sur 5 philosophes. Après un rappel du sens philosophique et politique du mot « arché » dans la politique d'Aristote, d'où vient « anarchie », j'ai étudié les concepts d'anarchie chez Rainer Schurmann, Emmanuel Lévinas, Jacques Derrida, Michel Foucault, Giorgio Agamben et Jacques Rancière. Tous, encore une fois, développent un important concept d'anarchie, mais ils se démarquent nettement de l'anarchisme politique. Pour concrétiser cette démarcation, Michel Foucault invente par exemple le néologisme anarchéologie. L'analyse de ces attitudes, que j'ai identifiées comme des symptômes de dénégation, m'a permis de voir quel était le point de désaccord de ces philosophes avec l'anarchisme.
Il s'agit tout simplement de l'idée qu'un peuple peut vivre sans être gouverné. Tous refusent cette idée, et ce, malgré une critique des gouvernements représentatifs, comme c'est le cas chez Foucault, Agamben ou Rancière, il y a toujours un moment chez eux où le gouvernement est sauvé. Comme on sait, l'anarchisme est un refus fondamental de la dichotomie entre commandement et obéissance, et le principe classique selon lequel ceux qui commandent ne peuvent être les mêmes que ceux qui obéissent. C'est là ce que Proudhon appelle le préjugé gouvernemental. Or, ce refus repose sur un autre, le refus de la représentation. L'analyse du préjugé gouvernemental m'a conduite à faire une distinction importante dans mon livre, la distinction entre l'ingouvernable et le non-gouvernable. Le non-gouvernable n'est pas l'ingouvernable. L'ingouvernable désigne ce qui échappe au contrôle, comme un véhicule devenu impossible à conduire. Au sens moral et politique, il suggère l'indiscipline et la désobéissance, le refus d'obtempérer. L'ingouvernable est et n'est que le contraire du gouvernable. Il résiste et s'oppose à ce qu'il suppose, à savoir la priorité du gouvernement. Le non-gouvernable, quant à lui, ne renvoie ni à l'indiscipline ni à l'errance. Il n'est pas non plus la désobéissance, mais ce qui, dans les individus comme dans les communautés, demeure radicalement étranger au commandement et à l'obéissance. Le non-gouvernable n'est pas le contraire ou la contradictoire de la logique du gouvernement. Il est l'autre. L'autre, au et non pas du gouvernement. Non pas sa critique, mais la marque de son impossibilité. La critique anarchiste du gouvernement n'est pas, en effet, de parti pris. Elle ne repose pas sur l'idée que gouverner est mal, mais que gouverner n'est pas possible. Cette impossibilité s'inscrit diversement dans le réel, à la manière d'un réseau aux connexions tout à la fois ontologiques, psychiques, pratiques, artistiques et biologiques. Ces paysages ne sont pas ceux d'un état de nature ni d'un lieu de déchaînement incontrôlé des passions. Ils ne se résument pas non plus à une cartographie de résistance. Ils correspondent à ces régions de l'être et de la psyché qu'aucun gouvernement ne peut atteindre ni administrer. Face à l'ingouvernable, révolte, protestation, désobéissance civile, un gouvernement peut réagir de deux façons. Soit négocier et consentir peut-être à un changement de politique, soit réprimer. En ce sens, l'ingouvernable est ce qui peut être soit entendu, soit dominé. Le non-gouvernable ne peut en revanche qu'être dominé. La seule façon de le traiter est de ne pas traiter avec lui, soit en l'ignorant activement, soit en l'opprimant, en l'écrasant, voire en le mettant à mort. Mais le gouverner est définitivement impossible, puisqu'il est encore une fois la marque de l'impossibilité et de l'échec de tout gouvernement. Le non-gouvernable se définit alors comme ce qui, dans la vie, est étranger à la discipline, mais qui a tout de même son ordre et son organisation. Ce que Michel Foucault appelait le bios, compris comme forme de vie, la vie qui prend forme. Il est dommage que Michel Foucault n'ait pas été assez radical pour affirmer que la forme de vie est fondamentalement anarchiste, car elle ne dépend d'aucun principe, d'aucun autre principe qu'elle-même. Il l'a bien montré, sans le dire, avec l'exemple de Diogène et des cyniques dans le séminaire Le Courage de la Vérité, son dernier séminaire, que j'appelle son testament anarchiste, mais il ne l'a jamais vraiment explicité. Je vais terminer maintenant sur l'anarchisme politique. Le tournant anarchiste du capitalisme, se manifeste dans les multiples manières dont le néolibéralisme s'empare des formes de vie et fait croire qu'il favorise le libre façonnement de ces formes au moyen de l'ubérisation généralisée des existences et des conduites. L'illusion d'une liberté consistant à devenir le manager de soi-même. Voilà à quoi donne accès le cybercapitalisme qui s'accompagne, paradoxe du libertarianisme, d'un autoritarisme politique accru. Selon moi, beaucoup de mouvements anarchistes actuels, par exemple en France Fédération anarchiste ou Alternative libertaire, ne reconnaissent pas ce tournant anarchiste du capitalisme et revendiquent une frontière claire entre l'anarchisme révolutionnaire et le cyberanarchisme. Malheureusement, cette ligne s'érode aujourd'hui.
Beaucoup trop d'anarchistes se croient encore au temps de la guerre d'Espagne. Ils ont souvent reproché à mon livre d'être trop abstrait. C'est de l'anarchisme intellectuel, ai-je entendu. Il y a un refus de la philosophie qui me paraît aujourd'hui criminel et je pèse mes mots. Car l'anarchisme est aussi une pensée et pas seulement une pratique. Séparer les deux a toujours été absurde. Il est temps de renouveler cette pensée, de donner à l'anarchisme de nouvelles directions. Pour cela, il peut être fructueux, encore une fois, de chercher dans ce que les philosophes ont occulté, enterré de l'anarchisme, de nouvelles idées. La responsabilité anarchique de Lévinas, l'anarchisme ontologique de Schurman, la déconstruction d'Héridienne, l'anarchéologie de Foucault, le pouvoir destituant d'Agamben, l'égalité radicale de Rancière, tous ces motifs, réinterprétés et radicalisés, peuvent aider à imaginer et mettre en œuvre l'idée de nouvelles communes. Je pense qu'il est important aussi, pour finir, de proposer de nouvelles lectures des textes anarchistes. C'est ce que je suis en train de faire en ce moment avec « Qu'est-ce que la propriété ?» de Proudhon, dont je développe une interprétation libre et différente de celle traditionnelle que l'on connaît par cœur. Donc pour résumer et pour conclure, l'urgence politique demande de repérer et désédimenter le refus philosophique de l'anarchisme, repérer et désédimenter le refus anarchiste de la philosophie, afin de prendre en compte la nouvelle donne de l'horizontalité et de rendre aux modes de vie, individuels et collectifs, leur liberté créatrice et leur plasticité. Merci. Merci Catherine, ringraziamo Catherine Malabou per questa sua introduzione del suo libro. Passo la parola a Thomas Ibanez. Petit incident technique, je disais buonasera et merci tout d'abord à tous ceux et toutes celles qui êtes venus cet après-midi ici pour participer à ce débat. Je tiens à remercier également les éditions Eleutera de m'avoir donné l'occasion de participer à cet événement, de connaître personnellement Catherine Malabou, que je connaissais à travers ses écrits, mais pas en présence, à Salvo. Ça fait très longtemps que nous nous connaissons, mais c'est encore un plaisir d'être avec lui ce soir. Et bon, ceci dit, je vais rentrer en matière en m'adressant beaucoup à Catherine Malabou. L'importance de votre livre, Catherine, pour bien saisir le rapport que la philosophie critique entretient avec l'anarchie et pour aider à repenser l'anarchisme est très largement, énormément attesté par l'extraordinaire écho médiatique qu'il a accueilli, ce livre, mais surtout par le nombre de recensions, de citations, de commentaires, de débats qu'il a suscité dans les milieux libertaires et bien au-delà. J'avoue faire partie de ceux et de celles que votre livre a séduit, sans doute parce que je me sens en syntonie avec lui, même si certains points que je mentionnerai à la fin de mon commentaire me font problème, me posent problème, et je les commenterai tout à l'heure. Si je ne vais pas aborder ici vos propos sur l'anarchisme de fait, c'est tout bêtement parce que mon ignorance en ce domaine est énorme. Mais je reconnais, tout comme vous, l'importance de ce phénomène et je partage tout à fait l'idée que le capitalisme, c'est, pour ainsi dire, mais seulement pour ainsi dire, anarchisé, grâce surtout à la révolution informatique, bien évidemment. Ce n'est que donc sur ce que vous nommez l'anarchisme d'éveil que je vais parler, en n'hésitant pas d'ailleurs, et vous allez le reconnaître, à vous paraphraser par moments. Par exemple, je vous rejoins tout à fait à propos de cette résurgence de l'anarchisme apparu au cours de la grande, de la magnifique manifestation de Site en 1999 et de ses répliques postérieures qui ont été nombreuses.
ce n'est pas que ces vastes mouvements politiques de la fin des années 90 et de tout ce quart de siècle qui s'est écoulé aient été comme pollinisés par des idées libertaires qui auraient flotté dans l'air à ce moment-là. C'est plutôt que ces vastes mouvements politiques ont carrément réinventé des principes organisationnels, des tactiques de type anarchiste. À partir de quoi ? À partir des pratiques qu'ils ont mis en œuvre dans les situations d'affrontement elles-mêmes, au sein de ces situations d'affrontement. Et cela s'est répété, je le répète moi aussi, tout au long de ce premier quart de siècle, dans de multiples révoltes qui ont éclaté aux quatre coins du monde. Parlons des Gilets jaunes en France et de beaucoup d'autres exemples que l'on pourrait évoquer. Cette réinvention des principes libertaires au sein de mouvements extérieurs à l'enclos anarchiste traditionnel a donné vie à ce que, pour ma part, j'ai dénommé l'anarchisme extramuros, hors les murs, un peu comme cela avait déjà été le cas en mai 68. Je vous suis également, Catherine Malabou, et avec enthousiasme, dans l'idée que l'anarchisme doit travailler et travailler ardument à se repenser en réalisant un authentique, je crois que le meilleur terme se dit en italien, mieux qu'en espagnol ou qu'en français, en réalisant un authentique aggiornamento. J'apprécie votre expression « l'anarchisme à venir », dont d'ailleurs on peut déjà deviner quelques traits. Et puisque nous sommes ici à l'enseigne d'Eleuteda qui a organisé cette rencontre et l'édition de votre livre, je crois que cette volonté d'aggiornamento ne peut qu'évoquer le souvenir de ce grand militant anarchiste et excellent compagnon que fut Amedeo Bertolo, lorsqu'il disait, et je le cite textuellement, traduit bien sûr, « Le vieux et solide tronc de l'anarchisme est encore vigoureux, mais il doit être énergiquement émondé afin que de jeunes branches puissent germer, se développer, et afin qu'il puisse accueillir de nouvelles greffes sans les rejeter ou les étouffer. » Vous montrez, Catherine Malabou, que la philosophie critique contemporaine fait l'impasse sur l'anarchisme en ne s'intéressant qu'à l'anarchie. Et cela est pour le moins curieux. Curieux quand on sait que le canon anarchiste classique n'était pas du tout dénué de teneur philosophique et exhibait même une bonne tenue philosophique. Bakounine avait une solide formation en ce domaine, et on pourrait en dire autant, sinon plus, de Stirner et de beaucoup d'autres, tels Proudhon, Kropotkin, Landauer, Malatesta, etc. Je ne sais pas où poser ça. On a reconnu au marxisme son envergure philosophique, tandis qu'elle a été déniée à l'anarchisme. Or, la différence entre Marx, Engels et les anarchistes ne résidait pas dans une moindre acquaintance de ces derniers avec le corpus philosophique de l'époque, mais dans un rapport différent à la philosophie. Certes, les deux camps, Marx, Engels, les anarchistes, plaidaient pour une sortie hors de la philosophie, entendue comme contemplation, pour l'amener à agir sur le monde. Cependant, du côté de Marx, la réflexion et l'analyse étaient vues comme devant nourrir et donc précéder l'action transformatrice afin de pouvoir la guider. Alors que du côté de Bakounine, c'était du rugissement de la lutte que s'engendrait et se nourrissait la réflexion théorique. Du rugissement de la lutte. L'idée naissant de l'action, retentissant sur celle-ci, dans une relation de parfaite symbiose, comme l'avait bien vu Proudhon. Il est tout à fait vrai que l'anarchisme n'est pas homologable au discours philosophique
mais c'est parce que son mode de construction, enraciné dans la pratique, diffère de celui de la philosophie. Ainsi, la parole anarchiste ne peut jamais être une parole seulement militante, pour reprendre une de vos expressions, Catherine. Elle n'est anarchiste que si elle est simultanément une parole militante. Cela dit, comme vous le soutenez très justement, renoncer à la philosophie serait suicidaire pour toute pensée philosophique, politique, pardon. Et il est clair que l'anarchisme ne saurait le faire. Mais en fait, il n'y a pas du tout, un refus anarchiste de la philosophie. Il y a un refus, c'est vrai, mais c'est un refus anarchiste d'être une philosophie, d'être un élément appartenant à cet ordre du discours. D'ailleurs, vers la fin du siècle dernier, donc il y a à peine quelques années, philosophie et anarchisme se sont rencontrés à nouveau, comme en témoigne l'impact du post-structuralisme dans la pensée anarchiste, avec notamment, ils ont été cités il y a un moment, les contributions de Todd May, de Jason Adams, de Sam Newman et beaucoup d'autres, qui ont articulé un anarchisme post-structuraliste largement imprégné de philosophie et qui s'est nourri très fortement de l'anti-essentialisme radical de Foucault, en puisant dans sa caisse à outils les instruments tout à fait indispensables pour comprendre, entre beaucoup d'autres choses, le pouvoir et la domination. Mais si l'anarchisme a bien incorporé des éléments philosophiques, vous montrez de manière très éloquente que la philosophie demeure quant à elle, la philosophie critique, imperméable à l'anarchisme, y compris de la part de penseurs, ceux que vous citez dans votre livre, ceux que vous travaillez dans votre livre, qui se montrent pourtant enclins à valoriser l'anarchie. Cela se doit, comme vous l'argumentez, à la stricte séparation qu'ils établissent entre anarchie et anarchisme, ne s'intéressant qu'au concept d'anarchie scindé du mouvement anarchiste. Or, il est vrai que anarchie et anarchisme, c'est évident, sont bien deux concepts distincts que l'on peut penser, disons, chacun en lui-même. Mais il se trouve aussi qu'ils sont intimement entrelacés et on ne peut pas oublier cet entre-là. Je ne sais pas si on dit entre-là, oui. C'est le mouvement anarchiste qui construit l'idée d'anarchie en même temps que celle-ci inspire ses pas. Et l'on s'égare gravement si l'on néglige cette, je crois que le mot le plus adéquat est celui que je vais prononcer, si on néglige cette intrication, presque au sein de la physique quantique. Des six philosophes que vous traitez, ce sont Michel Foucault et Rainer Schurman, que je connais le mieux, que j'apprécie le plus. C'est donc à eux que je vais limiter mes commentaires pour ne pas m'aventurer dans des parages, Derrida, Lévinas, Agamben, Rancière, qui sont insuffisamment balisés par mes propres lectures. Alors, voilà, j'ignore si Foucault avait lu Schurman. Je n'en sais rien. Mais ce qui est certain, ce qui est indubitable, c'est que ce dernier, Schurman, a été profondément influencé par Foucault, comme en témoigne notamment son magnifique, extraordinaire texte « Se constituer soi-même comme sujet anarchique ». Moyennant sa lecture à rebours de Heidegger, Schurman, qui à un moment a été oublié, mais dont la redécouverte agite une partie de la philosophie contemporaine, a contribué à orienter nos regards vers l'anarchie ontologique. Et par sa critique de l'arché aristotélicienne, il a montré comment une anarchie qui se serait débarrassée, qui se serait défaite des principes premiers qui légitiment l'emprise de la théorie sur la pratique, ne pourrait que découvrir la contingence de son cheminement et s'en remettre alors à l'a priori pratique.
en entendant par là, par ces termes a priori pratiques, que ce sont les situations concrètes qui doivent définir, dans leur multiplicité, les principes particuliers et donc nécessairement multiples, eux aussi, jamais premiers ni uniques, qui orientent l'agir en le mettant à l'abri de toute téléocratie préalablement établie. L'analyse de Shurnan pourrait contribuer à construire un anarchisme que je qualifie de non-fondationnel, attention, pas de post-fondationnel, en délestant l'anarchisme de ses proclivités instituantes, donc de sa propension à produire de la domination. Cela ferait de lui une force radicalement destituante, un peu au sens où Stirner conceptualisait le processus de l'insurrection comme étant différent de celui de la révolution. Grâce à votre livre, Catherine Malabou, un certain nombre d'entre nous, je m'y inclus, avons pu prendre connaissance de Derek Batnett et de sa reprise de l'importance que Foucault attribue de façon générale à la résistance. Mais en focalisant quant à lui ce concept directement sur l'anarchisme, ainsi, il argumente, par exemple, et vous le citez, que la logique principale de l'anarchisme est que là où il y a du pouvoir, il y a nécessairement aussi de la résistance. Selon Barnett, l'anarchisme se définit d'abord et nécessairement comme un dispositif de résistance à toute forme de pouvoir, c'est-à-dire qu'il se définit par un rapport antagonique au pouvoir, un rapport qui promeut une éthique de la révolte plutôt qu'il inspire une épopée de la révolution. Il s'agit donc d'une résistance au pouvoir qui ne se mène pas au nom de la moralité, de la raison, du bien, de l'humanité, du salut ou encore de la préparation d'une révolution fût-elle libertaire. C'est-à-dire qui ne se mène pas au nom de quoi que ce soit qui transcende les situations spécifiques où naissent les résistances. Il ne s'agit pas d'avancer vers un certain horizon, pour resplendissant qu'il puisse paraître, ou d'obéir à tel ou tel mandat axiologique. Il s'agit tout simplement, et ce n'est pas facile, de dire un non. Non à une certaine situation jugée inacceptable, de lui résister afin de la neutraliser et dans le meilleur des cas, de l'éliminer. Comme vous le dites, la proclamation anarchiste qu'il n'est nul besoin de gouvernement pour vivre en société est auréolée d'un halo de scandale face à ce qui est brandi comme une évidence absolument indiscutable depuis le temps de la classe classique, l'incapacité des populations à se gouverner directement elles-mêmes. Une évidence que Proudhon, vous l'avez cité, qualifia de préjugé gouvernemental. Et c'est le rejet anarchiste du préjugé gouvernemental que les philosophes se refusent à admettre. Sauf sans doute Foucault. Foucault, lorsqu'il affirme avec force que nul pouvoir n'est jamais, jamais nécessaire, et détaille dans son magnifique du gouvernement des vivants le concept très intéressant, heuristique, d'anarchéologie. Pour ma part, J'avoue ne pas savoir s'il est possible ou non que les vivants, tels que nous sommes aujourd'hui, puissions vivre sans gouvernement. Mais je suis absolument convaincu que penser et agir comme si cela était possible, est tout à fait indispensable pour développer des formes de lutte qui fassent chanceler le gouvernement et qui ouvrent des champs d'expérimentation pour une vie différente, pour une vie autre. D'ailleurs, penser que l'on peut vivre sans gouvernement me semble beaucoup moins décisif pour définir l'anarchisme qu'affirmer qu'il faut résister toujours et partout à toute forme de domination. C'est là, d'après moi, que se trouve le cœur de l'anarchisme. J'en viens pour finir à ce qui me fait problème.
Il s'agit de vos réflexions sur l'ingouvernable en tant que, vous l'avez dit, antagonisme vis-à-vis du pouvoir, désobéissance, insoumission, refus d'obtempérer, et d'autre part, le non-gouvernable comme ce qui est extérieur, ce qui est étranger au champ d'action du gouvernement, ce qui n'est pas de l'ordre de ce qui peut être gouverné, et qui est donc indifférent, non affecté par les instances gouvernantes et par leurs pratiques. Je crois qu'on ne saurait en aucun cas nier la valeur heuristique de cette distinction qui enrichit la pensée anarchiste et incite à repenser notamment les rapports entre pouvoir et liberté. Il est également incontestable qu'il existe un vaste champ de la réalité qui n'est pas de nature à pouvoir être gouverné. La vie, on y a fait mention il y a un moment, qui ne dépend d'autres principes que d'elle-même dans sa créativité et sa mutabilité, pour ne pas dire, un terme que vous appréciez énormément et que vous avez beaucoup travaillé, sa plasticité, la vie en est un bon exemple. Et comme vous le dites, je vous cite, mais vous l'avez dit il y a un instant également, il y a des régions de l'être et de la psyché qu'aucun gouvernement ne peut atteindre. Le non-gouvernable est donc une réalité indéniable qui marque les limites de du gouvernemental et qui conteste sa prétendue omnipotence et son omniprésence. D'ailleurs, l'ontologie anarchiste, car celui-ci a bien une ontologie qui lui est propre et qui diffère radicalement de celle qu'a propagée la métaphysique depuis Aristote, cette ontologie postule une réalité faite de mouvements, de multiplicité, de contingences qui défient le champ du gouvernable. Cela dit, j'entends que le non-gouvernable exclut la possibilité même de la résistance, car on ne résiste pas à ce qui n'existe pas, et on ne lutte pas contre ce qui ne nous affecte ni ne peut nous affecter en aucune manière parce que nous lui sommes totalement étrangers. Être non gouvernable, c'est finalement ne pas pouvoir opposer de résistance au gouvernement parce que nous sommes hors d'atteinte l'un de l'autre, l'autre de l'un. À mon sens, le propre de l'anarchisme est de se manifester comme ingouvernable dans toute la mesure du possible et de saper ce faisant le pouvoir du pouvoir en contribuant à rendre ingouvernable autant de personnes et de collectifs que possible. Devenir comme Diogène, indifférent au pouvoir, revient peut-être, certes, à échapper à son emprise, mais c'est se rendre incapable de lui opposer une résistance, qui, elle, se manifeste notamment sous la forme de l'ingouvernable. En d'autres termes, il est tout à fait vrai que Diogène ne peut pas être gouverné, mais c'est parce que sa résistance et non son indifférence, qui n'est qu'un stratagème qu'il utilise, le rend ingouvernable, étranger à l'obéissance, fermement ancré sur le refus d'obtempérer. J'admets, Catherine Malabou, que cette partie de votre livre trouble quelque peu mon entendement. Mais en même temps, elle présente l'énorme intérêt d'inciter notre pensée à sortir des sentiers battus, à s'en évader. Et je ne voudrais pas finir, car je vais finir maintenant, sans mentionner un autre point où ma coïncidence avec votre pensée est absolue, totale. Vous dites, dans une phrase qui me semble extrêmement belle et suggestive, je la cite, « L'anarchisme n'est jamais ce qu'il est. C'est en cela qu'il est. Sa plasticité le définit. » Fin de citation. Et en effet, je soutiens également que l'anarchisme cesse d'être dès qu'il se fige. Il est mouvement ou il n'est pas. Vous contribuez, Catherine Malabou, à le maintenir en mouvement. Et comme anarchiste, militant et méditant, je ne peux que vous en savoir gré. Merci beaucoup. Grazie a Thomas Ibáñez.
adesso dovrei dire qualche cosa anch'io, visto che sono stato invitato, oltre a fare il cerimoniere. E allora, è facile pensare che l'anarchia, l'anarchismo sia una filosofia politica, tipica dell'irruzione del moderno nella nostra epoca, un rischiaramento razionale contro l'oscurità dei dogmi religiosi, contro la teologia politica che ispirava la teoria e la pratica della sovranità assoluta. È una forma estrema della carica politica dei lumi, estrema rispetto alle altre pratiche politiche, alle altre teorie politiche, il liberalismo, il socialismo primo utopistico e poi marxiano. E questa è come questo tipo di filosofia politica, di teoria politica, a distanza di più di due secoli ormai, sia destinata alla usura del tempo, a una vanificazione postmoderna con cui si pretende di liquidare le certezze di una ragione che già Adorno e Horkheimer denunciavano cieca e iperpotente. Devo dire che questa profezia viene puntualmente smentita dal libro di Catherine Malabou, la quale dimostra, con i sei autori che prende al centro della propria analisi, dimostra come, nonostante l'egemonia del marxismo nella cultura europea del Novecento, nonostante la liquidazione dell'anarchismo sia teorico, vi ricordate Lenin, l'estremismo, malattia infantile, ma anche dal punto di vista vero e proprio politico, dalla Makhnovichina nella Russia rivoluzionaria sino alla Spagna del 1936, quando la rivoluzione libertaria fu soffocata dallo stalinismo. Ebbene, nonostante tutto questo, Malabou ci dimostra, ci fa vedere, nelle 300-400 pagine del libro, come una buona parte della filosofia politica radicale della seconda metà del Novecento abbia avuto delle relazioni teoriche, chiamiamolo così, delle relazioni dangerous con l'anarchismo, e rubando qua e là, fecondandole, essendo non fecondato, e eppure denegando tutto il cotè politico. Bisogna dire che non dovrebbe destare sorpresa questo tipo di denegazione politica, perché forse potremmo dire che è anche reciproca. Noi abbiamo osservato come in questi ultimi decenni qualunque forma di movimento sociale, prima che politico, assume metodi ed ethos libertari, forme associative, modalità organizzative, costumi, pratiche discorsive, e specialmente nel nostro spicchio di mondo, dopo la caduta del muro di Berlino, che ha segnato la fine del bipolarismo geopolitico, che ha segnato l'evanescenza della seduzione marxista, il collasso dei sistemi di partito, eccetera, eccetera. E da Seattle nel 1999 sino a Occupy Wall Street, i vari black bloc da tutte le parti, ma Marcos sulle alture del Chiapas, Rojava nelle zone curde, l'anarchismo viene usato, utilizzato, viene evocato come, scusate la metafora cattiva, come moneta spendibile nel XXI secolo. Malabou registra una scissione di ciò che invece dovrebbe essere congiunto, il piano filosofico dell'anarchia come negazione del fondamento originario che ispira la narrazione sempiterna del privilegio altrettanto originale del comando, e il piano discorsivo della pratica anarchica che si effettua altrettanto sul versante della negazione dell'autorità, tralasciando un punto di riflessione filosofica che tuttavia è imprescindibile per capire che cos'è l'archè e come si fa a rompere un immaginario forcluso dall'archè. Allora, gli autori che Catherine Malabou prende in esame affrontano varie, con i loro rispettivi percorsi, la questione dell'archè e delle ragioni della sua negazione anarchica, rintracciando le faglie filosofiche
che impediscono a questi pensatori di declinare la filosofia anarchica con la pratica teorica dell'anarchia politica, sociale, ma io mi permetterei di aggiungere etica. Quanto all'assenza di una pratica anarchica, un tempo si sarebbe detto militante, in questi autori potrebbe intervenire qualche spiegazione di fatto, legandola agli aneddoti delle rispettive vite. Malabou non affronta ovviamente questo tipo di considerazione perché interessa vedere qual è la ragione sottesa alla faglia, alla denegazione tra filosofia e politica. E allora, una prima ragione, e qua sono io che parlo e non più Caterina, secondo me va registrata nella sfasatura temporale e contestuale della concettualizzazione dell'anarchia, che risale alla filosofia greca e si prolunga nei secoli sino alla definizione di una pratica politica anarchica che risale in effetti all'era moderna, quando il pensiero acquista la legittimazione a tradursi in pratica trasformatrice del mondo e non solo in attività contemplativa. Proprio questa sfasatura di tempo ha consentito l'affermazione di una concezione non solo lessicale, che però è distorta e falsificatrice dell'anarchia e dell'anarchismo. Per intenderci, caos, confusione, disordine, eccetera, eccetera. Una visione molto borghese dell'anarchia e dell'anarchismo. Operata non tanto da improbabili rivali politici, evochiamo il marxismo, ma anche e soprattutto da filosofi inorriditi di fronte all'abisso di una negazione radicale dell'archè, funzionare a servire da pilastro di legittimità del comando politico in senso stretto. La difesa moderna del significato etimologico corretto dell'anarchia ha quindi rintracciato in certa pratica filosofica l'obiettivo di contrasto, date le precedenti perversioni semantiche, arrivando alla maturazione di un'attitudine teorica in cui l'aggancio all'agire politico fosse premiante rispetto all'attività riflessiva della filosofia, spesso confusa con la mera contemplazione passiva dell'esistente e del modo di stare al mondo. In secondo luogo, io non trascurerei il dato che l'ipotesi di sfondamento anarchico di ogni cornice normativa che fissa lo statuto filosofico di una pratica politica priva l'anarchismo politico di un criterio univoco di assegnazione di identità sicura ad ogni forma di pensierazione che adesso si richiami. È maturata la convinzione che nessun anarchico assegna patenti identitarie e che il criterio discernente non è di segno politico-teorico, poter dire chi è anarchico e chi non è, bensì squisitamente etico, ossia l'anello di congiunzione tra agire e pensiero nel senso della sua intrinseca coerenza. Etico ovviamente nel senso di ethos, di condotta individuale e collettiva, in linea con il diagramma di stili e forme di vita valorizzate nella significazione anarchica. Pertanto non è una casualità che nel pantheon, con le virgolette dovute, dell'anarchismo politico risultino autori, alcuni dei quali anche filosofi, ma non necessariamente, la cui produzione teorica è strettamente connessa e ne risulti legittimata da una coerente pratica politica di tipo militante. Proudhon, Bakunin, Kropotkin, Emma Goldman, Malatesta, per citarne alcuni, che sono accreditati come riconosciuti maestri di anarchismo, i quali nell'unire pensierazione declinavano la loro stretta identificazione nella propria personalità di anarchici, della loro persona e personalità di anarchici. Oggi potremmo aggiungerci a questi classici ormai, forse Clastre, sicuramente Bookchin, Grever, però da questo pantheon, tra virgolette, forse ne sono esclusi filosofi puri, quali Godwin e Stirner, ad esempio, oppure Sorelle, oppure andando più indietro, Delaboisi, che pure è più innovativo, dati i tempi in cui elaborava e scriveva,
siamo nel 1500, il primo che intravede la fragilità contingente e costitutiva dell'autorità politica che si regge sulla volontà di servire, tolta la quale il sovrano resta nudo e solo. Io credo che ci sia una doppia denegazione, quindi, da parte dei filosofi che non hanno superato la soglia dell'abisso per poter essere anarchici, ma anche da parte degli anarchici che hanno quella diffidenza, come Thomas più o meno accennava denunciandola, una certa diffidenza nei confronti di un pensiero o di un versante filosofico dell'anarchismo. Malabù dimostra come l'incompletezza della critica filosofica anarchica si arresta alle soglie di un immaginario radicalmente aperto sull'abisso dell'assenza di fondamento. Mentre dall'altro lato l'incertezza dell'anarchismo politico nei confronti dell'approccio teorico-filosofico priva la critica dell'autorità politica di fronte ad una risorsa di legittimità radicata nell'inconscio collettivo, ossia l'archè, come origine inaggirabile del comando sempiterno, giusto perché risalente alla notte dei tempi che furono. Quindi questa mancata declinazione congiunta e convergente, pur nella rispettiva autonomia di strategia concettuale di istituzione di senso, tra archè filosofica e archè politica, ridimensiona la potenza del negativo, relegando soprattutto la critica filosofica ad una delle varianti di pensiero tuttavia ineffettuale sul mondo, anarchismo intellettuale, chiacchiere, laddove invece la critica politica viene ridotta a una delle tante ideologie della modernità e come tale usurata dal tempo, superata dall'ipermodernità dei nostri tempi in cui perde di senso e di presa sul mondo. Ecco, io credo che tra tutti gli autori analizzati da Malabù, l'unico, forse, almeno quello a me più caro, mettiamolo così che è più onesto, l'unico che riesca a colmare lo iato tra filosofia e politica sia stato Foucault. Nel declinare il nesso tra filosofia e politica, rispettivamente sotto il segno della verità del sapere e della necessità del potere, in maniera originale, è arrivato a coniare quel termine di archeologia che è un'ulteriore, come dire, crasi di due concetti, come possiamo notare nell'altro caso della governamentalità. Una crasi che risponde a un interrogativo ben preciso. Si interroga di fatti Foucault. Il legame volontario con la verità, che cosa può dire sul legame involontario che ci fa aderire e ci piega al potere? Fine citazione. Ma immediatamente dopo, che cosa da dire la messa in questione sistematica, volontaria, teorica e pratica del potere riguardo al soggetto di conoscenza e al legame con la verità con cui egli si trova involontariamente annodato? Essendo dati la mia volontà, decisione e sforzo di sciogliere il legame che mi lega al potere, che ne è allora del soggetto di conoscenza della verità? È il movimento per liberarsi del potere che deve fare da rivelatore delle trasformazioni del soggetto e del rapporto che mantiene con la verità. Fine citazione. Quindi il legame tra sapere e potere, tra soggetto e verità in Foucault viene così ad essere analizzato da una prospettiva radicale, che si differenzia dallo scetticismo, dalla sospensione di giudizio e che si attiene ad una postura etopolitica, un atteggiamento, e ci ricito, un atteggiamento che consiste innanzitutto nel dirsi che nessun potere va da sé, nessun potere, qualunque esso sia, è evidente o inevitabile, nessun potere di conseguenza merita di essere accettato fin dall'inizio del gioco. Non c'è una legittimità intrinseca del potere, dal momento che nessun potere è fondato di diritto o per necessità, dato che ogni potere poggia sempre e solo sulla contingenza e sulla fragilità di una storia, che il contratto sociale è un bluff e la società civile una favola per bambini,
che non c'è alcun diritto universale, immediato ed evidente, che sia in grado di sostenere dovunque e sempre un rapporto di potere, qualunque esso sia. Questo lo dice Foucault, non monarchico. La congiunzione tra ricerca filosofica e critica politica si deposita così nell'affermazione secondo la quale il percorso filosofico altro di Foucault, laterale e controcorrente, anche rispetto alle filosofie del dubbio metodico che minano la granitica indissolubilità delle verità ereditate, consiste, ricito, nel cercare di far giocare sistematicamente non la sospensione di tutte le certezze, ma la non necessità del potere, qualunque esso sia. È l'anarchia, l'anarchismo, anticipa Foucault, l'idea, la concettualità, i nomi, che immagino i presenti al Collège de France quel 30 gennaio 1980 avranno bisbigliato a se stesso e al proprio vicino ascoltando questo rimbottamento prospettico. Pur non trovandoci nulla di male nell'usare quei termini, l'aveva già detto in una conferenza della Société Française de Philosophie nel 78, e ammettendo di poter ridiscutere una interpretazione un po' grossolana e approssimativa, Foucault rigetta lo stereotipo per cui la tesi anarchica postula un'essenza malvagia del potere, ponendosi come fine ultimo la sua abolizione definitiva. Innanzitutto non si tratta, dice Foucault, di tendere a una società senza rapporti di potere come conclusione di un progetto. Al contrario, si tratta di mettere il non potere o la non accettabilità del potere non a conclusione dell'impresa, ma all'esordio del lavoro, nella forma di una messa in questione di tutti i modi con cui effettivamente si accetta il potere. In secondo luogo, non si tratta di dire che ogni potere è malvagio, ma di partire dall'idea che nessun potere, qualunque esso sia, sia accettabile a pieno diritto e sia assolutamente e definitivamente inevitabile. Fine citazione. L'atteggiamento anarchico in Foucault sente il morso della lucidità di un ethos che muove da una postura filosofica ad una pratica politica, da una negazione filosofica ad una negazione politica senza soluzione di continuità, se non una sfumatura con il sentire tradizionale dell'anarchismo, ma sempre interna alla sua area familiare. In altre parole, dice Foucault, la posizione che assumo non esclude assolutamente l'anarchia. In fondo, ancora una volta, perché l'anarchia sarebbe così deprecabile? Lo è automaticamente, forse soltanto per coloro che ammettono che c'è sempre, necessariamente, essenzialmente, qualcosa come un potere accettabile. Si tratta di un atteggiamento teorico-pratico che riguarda la non necessità di ogni potere, ribadisce Foucault. E per distinguere questa posizione teorico-pratica sulla non necessità del potere come principio di intelligibilità del sapere stesso, invece di usare il termine anarchia o anarchismo che non sarebbe adeguato, farò un gioco di parole. Vi proporrei allora una sorta di anarchiologia. Al di là del gioco linguistico, il termine designa proprio tanto la negazione filosofica dell'archè come sostrato fondativo di ogni azzardo di pensiero che pretenda di negare la sua contingenza per autodefinirsi universale e sovrastorico, quanto nel contesto delineato da Foucault, le cui lezioni, giusto per sottolinearlo, non erano frutto di un'oralità spontanea, ma erano preparate, scritte in anticipo, lavorate in anticipo. L'ethos affermativo di una posizione teorico-pratica e quindi politica sutura quello iato denunciato da Catherine Malabou. Rifiutando che l'anarchia sia un telos più o meno raggiungibile, una utopia che un giorno diverrà eutopia realizzata, Foucault attua uno spiazzamento cruciale, ponendo l'anarchia come rigetto dell'archè al tempo stesso in cui si pone l'archè come strategia concettuale e politica per imporre una condizione di dominio di pochi su molti. Nel cuore di questa stessa strategia si dà la risorsa per confutarla filosoficamente e contrastarla politicamente. Molto probabilmente Foucault è l'unico tra i filosofi radicali che hanno costellato il panorama europeo della seconda metà del XX secolo ad avere maturato un anarchismo filosofico e politico, anche con qualche discesa in campo
nelle lotte libertarie contro i manicomi, le carceri, l'oppressione politica, rilanciando e sapendo rinnovare anche terminologicamente un arsenale teorico risalente almeno al secolo precedente, lungo un percorso di continuità e discontinuità che non può che fare bene sia al pensiero che all'agire anarchico. Grazie dell'attenzione. Adesso devo ritornare nelle vesti del bravo presentatore e do la parola a Catherine se vuole fare qualcosa e poi ovviamente al pubblico che comincerà già a preparare le proprie interrogazioni, le proprie osservazioni. Prego. Merci beaucoup à vous deux et j'étais nerveuse tout à l'heure donc je n'ai pas remercié comme j'aurais dû le faire l'Institut français pour l'invitation, les éditeurs El Oukela, la maison d'édition, mon traducteur Carlo Melani et mes deux excellents collègues. Poser trois points pour engager la discussion. Le premier point, c'est que quand j'ai parlé du tournant anarchiste du capitalisme aujourd'hui, j'ai eu l'idée d'écrire ce livre parce que j'ai analysé des symptômes qui m'ont choqué. Premièrement, la référence de plus en plus claire des politiques, des gouvernants aujourd'hui à l'anarchisme et au cyberanarchisme. Par exemple, récemment, il y aurait beaucoup d'exemples, mais le plus récent, c'est le nouveau président de l'Argentine, Milei, qui se présente comme un anarcho-capitaliste avec sa scie électrique, disant « je vais couper l'État, les ministères, etc. » Il y avait un article également très célèbre dans le New Yorker, c'est déjà un petit peu plus ancien, qui s'appelle « Donald Trump, is Donald Trump an anarchist ?» Et j'ai entendu aussi dans la bouche de Bolsonaro au Brésil des références aux libertaires, à la nécessité la nécessité de se passer du gouvernement, de ne plus payer d'impôts, etc., etc. Donc je me suis dit, comment est-ce qu'on peut penser ensemble ce discours avec en même temps une autorité politique accrue, puisque tous les gens dont je viens de parler sont des dictateurs. Comment se fait-il qu'aujourd'hui on entende, on rassemble d'un côté l'autoritarisme et de l'autre cette référence au libertarianisme. Organisez vos vies, vous êtes libres, il y a les plateformes, il y a le capitalisme des plateformes, vous n'avez pas besoin de nous, vous pouvez organiser votre santé sur votre téléphone, etc., etc. Et je me suis dit que le capitalisme, comme d'habitude, avait le talent d'utiliser à son profit les armes critiques les plus dures contre le capitalisme. Et en ce moment, il est clair que le capitalisme utilise l'anarchisme. L'ennemi du capitalisme aujourd'hui n'est plus le marxisme. Il ne s'agit plus de lutter contre le communisme. Il s'agit de lutter contre l'anarchisme révolutionnaire, en récupérant les idées de l'anarchisme révolutionnaire pour les séparer de l'anarchisme révolutionnaire. Par exemple, en France, tous les mouvements récents contre la réforme des retraites, par exemple, ont eu lieu en dehors des syndicats et des partis. Emmanuel Macron a dit « Nous devons réprimer les anarchistes. » Parce que pour Macron, le fait qu'il y ait des gens dans la rue qui ne soient pas, encore une fois, affiliés à des partis ou des syndicats, était assimilable au terrorisme anarchiste. On a la même chose aujourd'hui avec les agriculteurs qui manifestent dans toute la France. Alors, il y a un syndicat qui est majoritaire, mais il y a énormément d'agriculteurs qui ne se reconnaissent pas du tout dans ce syndicat. Et même discours, on veut bien entendre les représentants des syndicats, mais pas les autonomes. Alors, je me suis dit, comment... Moi, je ne suis que philosophe, je n'ai à ma disposition que des armes conceptuelles. Comment est-ce qu'on peut penser cette situation? Et est-ce que la philosophie peut m'aider?
Thomas disait tout à l'heure que les anarchistes traditionnels ne se pensaient pas comme philosophes parce que l'anarchisme est d'abord une pratique. Mais le problème, c'est que la philosophie contemporaine, que je lis, ne se définit pas comme philosophe non plus. Depuis un siècle, les philosophes disent « nous ne sommes plus des philosophes, nous sommes sortis de la métaphysique, nous n'avons plus rien à voir avec l'histoire de la philosophie ». C'est ce qu'est la déconstruction, par exemple. Nous ne faisons plus de philosophie. Donc en fait, l'anarchisme et la philosophie ont le même problème. C'est-à-dire qu'ils rejettent, le discours du fondement dont Salvo a parlé, c'est-à-dire le discours de l'arché. Il n'y a pas de fondation. On doit inventer nous-mêmes la forme de notre pensée, la forme de notre action. C'est pour ça que je travaille sur la plasticité. C'est-à-dire que nous devons nous donner notre propre forme. Alors je me suis dit que peut-être il était possible d'unir les deux discours, à savoir d'unir ces deux plasticités. On laisse derrière nous la vieille métaphysique, le discours du fondement, et on essaye de penser ensemble le discours philosophique en tant qu'il devient plastique, à savoir il ne se réfère plus à des fondements, et le discours anarchiste, révolutionnaire, en tant que lui aussi se détache des fondements. Et on essaye de construire un contre-argument à l'anarcho-capitalisme, en montrant que l'anarcho-capitalisme n'est pas plastique du tout, que l'anarcho-capitalisme n'est qu'une illusion de liberté, n'est qu'une illusion d'horizontalité, mais abrite derrière lui toutes les vieilles théories du fondement de l'autorité, de l'oppression et de la domination. On essaye d'opposer à la flexibilité anarcho-capitaliste la plasticité anarchiste. Donc c'est en ce sens que j'ai essayé de pousser ensemble, enfin de trouver un terrain commun entre le discours anarchiste révolutionnaire et le discours philosophique. Voilà, c'était le deuxième point. Le premier point, l'anarcho-capitalisme, le deuxième point, la philosophie. Et enfin, le dernier, pour répondre à Thomas, la distinction entre ingouvernable et non-gouvernable. Je pense que si l'on veut penser la plasticité de l'anarchisme, et si on considère que l'anarchisme est une critique du gouvernement, si on considère que l'anarchisme est un discours qui refuse la distinction entre commander et obéir, il y en a qui sont faits pour commander et les autres pour obéir, alors il faut se demander d'où peut venir la force qui nous rend étrangers au gouvernement. D'où pouvons-nous trouver ou puiser la ressource d'une critique du gouvernement? Je ne pense pas qu'on puisse la trouver dans l'ingouvernable. L'ingouvernable, c'est effectivement la résistance, les manifestations. Il faut la trouver sans doute dans une région, ce que j'ai appelé une région de l'être et de la pensée, qui est étrangère au gouvernement. C'est-à-dire, si vous voulez, c'est comme, ce serait comme la palette du peintre, pour donner un exemple concret. Ça serait une feuille de papier blanc, une palette de peintre, un morceau de marbre, une couleur, et c'est à nous d'en faire quelque chose. Cette feuille blanche, cette palette, cette couleur, ne peut absolument pas recevoir des ordres d'en haut. Elle n'est même pas vraiment en résistance contre le gouvernement. Elle est sa propre force. Et elle ne sera que ce qu'elle se fait elle-même. C'est comme ça que je répondrai à Thomas. C'est-à-dire, il faut bien penser qu'il y a dans l'être humain une région artistique de création, d'invention de soi, qui ne peut pas recevoir des ordres. Si on ne peut pas le montrer, alors on ne peut pas être anarchiste. Voilà ce que je vous répondrai, Thomas. Merci, Catherine, pour cette explication. Maintenant, la parole, c'est un microfono, obviamente. Primo qui est, seconde fila. Sì.
al microfono così può tradurre. Sì, molte grazie. Avevo già intenzione di leggere con molta attenzione il libro, ma ancora di più e le chiedo un anticipo. Io sono un geografo e quello che mi ha stupito nell'elenco dei personaggi a cui lei si riferisce è stato Agamben, perché la mia quello che io leggo in Agamben nello stato di eccezione e la concezione dello spazio che Agamben la trovo molto rigida, e quindi mi ha un po' stupito trovare Agamben accomunato agli altri autori. Se potesse anticipare brevemente sui motivi di questa scelta, grazie. Qualcun altro? Vediamo se c'è qualcun altro, se non rispondo immediatamente. Possiamo raccogliere due o tre e poi consentire a Caterina di dare risposte multiple oppure puoi rispondere subito. Merci, merci beaucoup pour votre question. Bon, alors pourquoi Agamben? Parce que, comme vous savez, il parle beaucoup d'anarchie. Il a un concept d'anarchie très fort, qui est l'anarchie du pouvoir, le pouvoir destituant, qu'il voit à l'œuvre, à la fois dans la politique et dans la religion. Mais pour répondre directement à votre question, je ne suis pas sûre qu'il ait une conception rigide de l'espace, puisque il y a un concept qui est très important chez lui, c'est la zone d'indifférence. Zona d'indifférence. Indifférence. La zone d'indifférence qui est, à mon avis, intéressante pour un géographe, puisqu'il s'agit d'une zone, comment est-ce qu'on dit ça, un champ qui est en jachère, voyez, un champ qui n'est pas cultivé. Et par exemple, alors dans les campagnes, les champs qui ne sont pas cultivés, ou autour de la ville, ces zones, ce qu'on appelle les zones, qui ne sont pas vraiment habitées, qui ne sont pas vraiment sauvages non plus. Et là, quand même, un concept de l'espace qui n'est pas rigide, me semble-t-il. Et c'est là qu'il inscrit l'anarchie. Parce qu'il dit que cette zone, qui est une zone géographique, elle existe aussi dans la pensée, elle existe aussi dans la religion, elle existe aussi dans la politique. C'est-à-dire que moi, ce que j'appelle le non-gouvernable, Agamben l'appellerait la zone. Donc voilà. Est-ce que, après, c'est vous qui devez déterminer si le concept de zone a un sens pour votre travail ? Vi ringrazio molto. Io avrei un commento e una domanda, perché indirizzo a tutti e tre, quindi vi ringrazio molto. Per quanto riguarda diciamo la separazione tra l'anarchismo e la filosofia, penso che sia dovuto anche molto in parte al fatto che chi studia filosofia fin da subito è abituato al pensiero del fondamento, cercare di dare principi a argomentazioni, insomma, è un allenamento continuo, e forse questo è un possibile indizio del perché dal versante filosofico c'è una specie di diffidenza verso l'anarchismo, perché siamo continuamente abituati ad allenarci a fornire principi piuttosto che a sottrarci o a decostruirli, insomma. Il verbo poi è indifferente, quindi questa è una specie di, come dire, sollecitazione. La domanda invece la vorrei porre alla professoressa Malabù circa il non governabile, perché vorrei partire dall'idea che per Foucault non esiste un fuori dalle dinamiche del potere, per quanto possiamo analizzarlo, eccetera, se accettiamo che il potere passa nelle relazioni umane, non c'è un fuori di esso. Quindi la domanda è un po', posto che è molto evocativo, quindi parla il concetto di non governabile, posto di riuscire a trovarlo, questa sorgente di cui lei parla, è davvero possibile che esso non sia toccato in alcun modo dal potere? Cioè la domanda è, esistono realmente delle zone
su cui il potere non ha alcuna presa, se non c'è un fuori di esso, che ovviamente è un'affermazione discutibile. Grazie. Merci, merci beaucoup. C'est une question très, 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 très importante. Et ça me renvoie un peu à la zone. Vous avez tout à fait raison. Pour Foucault, il n'y a pas d'extérieur. Les relations de pouvoir sont d'ailleurs dans les deux sens, puisque résister, c'est aussi avoir du pouvoir. Et donc, il n'y a pas de zone, d'espace extérieur au pouvoir. Donc, comment est-ce que je peux soutenir l'idée du non-gouvernable qui suppose, qui semble supposer une forme d'extériorité. Le problème de la position de Foucault, c'est que si on dit il n'y a pas de zone extérieure au pouvoir, tout est lié, et c'est la lecture que Deleuze fait de Foucault, que j'ai critiqué aussi, on tombe alors, me semble-t-il, dans ce qu'on va appeler une philosophie de l'immanence que défend aussi Agamben. Et cela me pose problème parce que l'immanence devient alors un principe. Il me semble que la façon dont l'immanence, c'est-à-dire ce qui ne sort jamais de soi précisément, ce qui n'a jamais d'extériorité, il me semble que l'immanence chez Foucault, chez Deleuze, chez Agamben fonctionne comme une norme. Et c'est un principe qui est évoqué sans cesse dans les textes, qu'il s'agisse des lectures littéraires chez Deleuze. Vous connaissez le texte « Immanence absolue », hein, il y a un texte « Immanence absolue ». Il y a aussi un texte d'Agamben qui défend vraiment l'idée des lectures immanentes. Donc, le problème de l'absence d'extériorité, c'est que cette absence d'extériorité devient normative. Donc ce qui m'intéressait, moi, c'était non pas de trouver une zone d'extériorité, mais d'essayer de montrer ce qui, dans l'immanence, ne fonctionne pas. De voir ce qui désassemble, en quelque sorte, les deux côtés de l'immanence. Vous voyez ? Et il me semble que là, on a peut-être une ligne de partage qui peut passer, qui serait celle du non-gouvernable, que je ne pense pas vraiment comme une extériorité, mais en même temps comme quelque chose qui n'est pas identique à lui-même, qui n'est donc pas immanent. Merci. Qualcun altro va c'è? Anch'io volevo ringraziare molto perché nasce proprio un desiderio anche di ulteriori approfondimenti, insomma, davvero profondamente grazie. Ho apprezzato tantissimo anche la definizione, insomma, dell'anarchismo come qualcosa che necessariamente in movimento, la sua plasticità, questo che Ibáñez a un certo momento proprio ha nominato, insomma, mi sembra particolarmente affascinante. Quello che volevo domandare, appunto, visto che c'è un capitolo dedicato a Derrida e la decostruzione, in un paragrafo ci si interroga se la decostruzione possa essere un anarchismo. E la risposta è interessante, quasi rovattiana, è un filosofo italiano che spesso dice sì e no, che sta sulla soglia, che ama molto l'oscillazione, e credo che fra l'altro scrisse anche un testo con Derrida, interrogandosi sulla condizione dell'università, chiamandola l'università senza condizione, penso all'inizio del 2000. Allora, la decostruzione potrebbe essere anche un'operazione che si applica al rapporto col potere, non solo come denuncia o critica, ma anche come capacità di sottrarsi allo stesso potere. E quindi mi domando se un'operazione è anche quella di decostruire le istanze di potere che inesorabilmente si accumulano in noi. E quindi è quasi anche una dimensione di distanza da un'istanza che si vuol combattere ma che a volte si fa avanti. E allora forse, non so se in questo sì o no, c'è qualche traccia di individuazione di ulteriori elementi di dinamica nella direzione anche che veniva nominata prima. Grazie. Oui, merci. Merci beaucoup pour
question très intéressante aussi, la déconstruction. Derrida dit dans un texte, c'est dans Force de loi, il dit c'est un anarchisme. Et dans la grammatologie, quand il parle de l'archi-écriture, il dit, je pourrais dire aussi, anarchie-écriture. Bon, donc, la déconstruction pourrait être vue comme une forme d'anarchisme dans la mesure où, comme vous l'avez dit, il s'agit vraiment de déconstruire les fondements et déconstruire les strates de pouvoir. Le problème, c'est que Derrida, dans ses derniers textes, qui sont des textes politiques, notamment à propos de la démocratie, dit que, pour l'instant, la seule forme possible de démocratie est la démocratie parlementaire. Il dit, on peut déconstruire les strates de pouvoir, c'est vrai, mais on ne peut pas déconstruire la démocratie, et la démocratie est nécessairement une démocratie parlementaire. Donc à partir de ce moment-là, si vous voulez, il renie complètement, à mon avis, toutes les avancées politique des textes antérieurs. Il y a chez Derrida un repli dans les dernières années sur les valeurs libérales, en fait, hein, sur les valeurs libérales du parlementarisme, de la représentation, etc. Donc, personnellement, j'ai été très déçue de ces derniers textes. Est-ce que vous voulez ajouter quelque chose? Ah non, pas. Ah oui, je suis là. Ici. Je suis très malhabile. C'est bon. Ok. Merci. Non, en reprenant certaines choses qui ont été dites, la philosophie et l'anarchisme, mauvais compagnonnage entre eux, parce que la philosophie se centre sur les principes et l'anarchie apparemment, disons, l'anarchisme plutôt, passe des principes, ne s'intéresse pas aux principes. Et donc ça expliquerait, disons, l'absence de syntonie entre ces deux champs. Tel que moi j'entends l'anarchisme en tout cas, il n'y a pas un rejet des principes, une absence de principes. Il y a une différence avec la métaphysique, c'est que l'anarchisme conçoit plutôt une multiplicité de principes et de principes qui présentent la caractéristique d'être contingents, de ne pas avoir de fondement, etc., etc. Mais il y a une reconnaissance de principes, principes multiples, changeants, variables, un peu aussi comme, quoique j'aime pas son terme, hein, pour une série de raisons, un peu comme Butler, Judith Butler, définit le genre. Le genre, non, pas seulement le genre, mais l'approche post-fondationnelle, disons, en termes de fondement quand même, malgré tout, disons, sauf qu'ils sont contingents. Donc, je crois que ce manque de syntonie philosophie-anarchisme, disons, si on le voit sous l'angle de principe d'un côté, absence de principe de l'autre, je pense qu'on se fourvoie, même s'il est vrai qu'une grande partie de l'anarchisme, disons, correspondrait à cette image qu'on peut en avoir. Par ailleurs, sur Foucault, l'immanence, le pouvoir, l'impossibilité de se mettre à l'extérieur des relations de pouvoir, moi je voudrais en venir au dernier Foucault, hein, au Foucault de ses derniers écrits, de ses derniers éléments de pensée. Le pouvoir, si bien le pouvoir tel qu'on le conçoit classiquement, disons, Foucault s'acharne à nous dire qu'il n'est pas nécessaire, qu'il n'y a aucun fondement à ce pouvoir, qu'il n'y a pas de légitimité, d'accord. Mais les relations de pouvoir pour Foucault
disons, ne sont pas le problème, ne font pas problème pour l'anarchisme. Ce ne sont pas les relations de pouvoir qui soient problématiques. C'est la domination. Or, la domination, il y a une extériorité à la domination. Et cette extériorité à la domination, c'est ce que Foucault, justement, développe dans ses derniers écrits. Et je pense qu'en partie, disons, ce qu'il dit à propos des cyniques, de Diogène, etc., ça peut aller dans ce sens. Donc, absence d'extériorité, je ne crois pas. Par rapport aux relations de pouvoir, oui, évidemment. C'est comme si on disait qu'il n'y a pas d'extériorité possible pour des êtres humains aux relations entre humains, au fait qu'ils vivent en collectif, qu'ils sont en société. Il n'y a pas d'extériorité possible. Pardon, je bouge. Mais en ce sens-là, oui, il n'y a pas d'extériorité aux relations de pouvoir, et alors, ce n'est pas un problème. Ça fait partie de notre vie. Extériorité par rapport à la domination, oui. Moi, je vois un problème là avec ce qui est en train de se commenter, c'est que je trouve fondamental d'explorer cette question du non-gouvernable. Si on veut avancer, disons, dans la pensée, dans la réflexion, anarchiste ou pas, disons, sur la réalité. Mais si on prend cette voie-là, dans cette, pour l'instant, ce que l'on sait sur la non-gouvernabilité, il faut, je ne dis pas que Foucault soit indépassable, ce n'est pas un totem, ce qui nous a apporté, disons, ça se dépassera, hein, et ça sera mis en question, et c'est en train d'être mis en question, etc. Donc je ne m'accroche pas à ça, mais ce qu'il me semble, c'est que dans le champ de la non-gouvernementalité, ce qu'il faut faire, c'est renoncer à une série d'outils que Foucault nous a proportionnés et les substituer par autre chose. Et ce que je ne vois pas pour l'instant, c'est par quoi. Parce que si on part de l'idée que pour Foucault, pouvoir, sens de domination, mais aussi les micro-pouvoirs, les résistances sont unies et que ça explique, disons, les possibilités de liberté, c'est la vision foucaultienne, si on renonce à interpréter les choses sous cet angle, où est-ce qu'on va situer les possibilités, disons, d'exercice, de pratique de liberté, disons, si on évacue complètement ces instruments d'analyse de la relation entre résistance, pouvoir, domination, liberté, etc. Quels instruments ? Mais la résistance n'explique pas tout. Hein. La résistance n'est pas, à mon avis, le dernier mot de la politique. Résister peut être aussi une forme de domination. Je pense qu'il y a des formes de combat qui ne sont pas nécessairement... des formes, enfin, la résistance n'est peut-être pas suffisante pour englober tous les combats. C'est ce que je pense. Et c'est ce que je pense aussi le dernier Foucault. Mais bon, ça c'est une autre question. Salvo, vous voulez dire quelque chose? Ou s'il y a d'autres questions? Vediamo se ci sono altre interrogazioni. Arrivo. Sì, grazie mille. Innanzitutto scusate per il mio italiano, che non è così bravo. Mia domanda è io voglio fare una domanda sulla tradizione che si definisce come post-sinistra, specialmente nella scena americana. Sto parlando di scrittori come Bob Black, Jason McQueen, ma anche Hackenbeck, che hanno nominato il professore Ibanez. Quindi la mia domanda è, questa tradizione recita esplicitamente il concetto della rivoluzione, invece cerca di avere momenti di insurrezione, momenti di zone
autonomi temporaneamente. Quindi, secondo me, è una tradizione che sta già usando concetti che vengono dal post-strutturalismo ma anche da Stirner specialmente. È una tradizione che sta cercando di magari sta cercando di fare quello che ha definito la professoressa Malibu come il pensiero o lo stato non governabile, perché loro non dicono che noi vogliamo resistere, vogliamo fare una rivoluzione, vogliamo vincere contro lo Stato, contro il potere, contro l'autorità, invece stanno dicendo che noi vogliamo vivere come fossimo non governabili, nascosti, vogliamo avere i nostri momenti autonomi, vogliamo avere le nostre insoluzioni, ma anche queste insoluzioni non sono per l'obiettivo di magari vincere, no, queste insoluzioni hanno solo l'obiettivo di avere un momento, quello dell'insoluzione stesso, un momento libero, un momento di estasia, di questo, cose, ecco così. Quindi io stavo pensando che magari questo pensiero potrebbe essere il pensiero anarchico che la professoressa Malibu sta cercando di trovare, non lo so. Oui, alors merci beaucoup. Ça, c'est aussi une question extrêmement intéressante. Vous avez tout à fait raison. Hakim Bey, c'est l'inventeur des zones d'autonomie temporaire. Donc, effectivement, il s'agissait de penser l'action politique, l'anarchisme en particulier, comme une série de moments. Et qui repose, c'est une idée qui repose, vous avez raison, sur le fait de rester caché. Et là, on retrouve Agamben aussi, qui était très proche de ces mouvements. C'était l'idée du mode de vie. Il faut inventer des modes de vie. C'est pas la vie privée, c'est pas la vie publique, c'est le mode de vie. Et le mode de vie est un mode de se définit par ces éruptions temporaires de révolte. Elles peuvent être individuelles, elles peuvent être collectives. Alors je me suis beaucoup intéressée à ça, mais je le pense de plus en plus, que notre travail, quand je dis notre travail, c'est le travail de tous ceux qui pensent que le cyberanarchisme est en train de nous détruire. Je crois que nous devons, malgré tout, malgré les dangers, malgré les écueils métaphysiques, essayer de reconstruire l'idée d'une révolution. Je le pense. D'une révolution qui ne serait pas seulement temporaire, comme ça, qui ne serait pas seulement dans l'intensité momentanée, mais qui serait, disons-le, un véritable changement de société. Je pense que le temps est venu de repenser cette chose. Alors, je sais que ça peut paraître naïf, je sais que c'est dangereux, je sais que ça a été tellement fait et refait, mais je crois que l'anarchisme du mode de vie n'est plus suffisant aujourd'hui. J'ai cru que vous alliez au contraire parce que, excusez-moi, mais je trouve que cet anarchisme du mode de vie est une sorte de position presque aristocratique qui il me semble pas qu'on ait besoin de ça aujourd'hui. Il y a une autre question, je crains la dernière. Grazie, volevo solo chiedere che peso hanno per voi le istanze ambientaliste nell'anarchismo,
in generale nell'anarchismo contemporaneo. Credo ci siano dei modelli interessanti nella visione ambientale, per esempio nella non esteriorità di cui parlavate prima, i meccanismi di potere rispetto all'ecosistema, e vedo anche dei suggerimenti in questo senso nel concetto di non governabile, nel bios. Grazie. Merci, merci infiniment, et vous avez tout à fait raison. Et pour revenir à la question de monsieur, là, les grands anarchistes étaient des géographes, et par exemple Élisée Reclus, le géographe français, est considéré comme le premier écologiste. Donc la question de la terre est au centre de l'anarchisme, donc ce que vous dites est extrêmement important. Et moi aussi, je vois dans les mouvements, certains mouvements écologistes, le ferment d'une pensée révolutionnaire. Et ce qui se passe aujourd'hui en politique, c'est qu'on essaye d'opposer les écologistes d'un côté aux paysans de l'autre. C'est ce qui se passe aujourd'hui en France. On parlait tout à l'heure du mouvement des agriculteurs. Le gouvernement joue les paysans contre les écologistes. Et pour moi, ce qui serait important, c'est d'affirmer que nous vivons tous sur une terre. Il n'y a pas d'un côté la terre des agriculteurs et de l'autre la terre des écologistes. Donc je crois que là, il y a tout un mouvement à construire sur qu'est-ce que c'est qu'habiter, qu'est-ce que c'est que cultiver la terre. Et effectivement, partir de cette idée, c'est ce que je dis dans le livre à un moment, que la terre est l'exemple même du non-gouvernable. On ne peut pas gouverner la terre. Et j'aimerais enfin voir une sorte de solidarité autour de cette idée. Donc oui, merci. Giusto per concludere, ringraziando tutti i partecipanti, ringraziando Caterina, ringraziando Tomas, giusto per concludere due osservazioni volanti. Ogni volta che si parla di queste cose sembrerebbe che ci sia un'interruzione di memoria dettata probabilmente dalla sfasatura generazionale. Per cui di tanto in tanto riemergono discussioni che ricordo di aver fatto 50 anni fa. Allora, bisogna essere antagonisti o protagonisti? L'anarchismo è una teoria politica o una visione sociale? L'anarchismo è un'estetica individuale o è un progetto collettivo? Allora, io credo che queste discussioni di 50 anni fa, ripetute oggi con un linguaggio diverso, con una costellazione teorica diversa, ma soprattutto in un contesto epocale diverso, non siano soltanto delle mere ripetizioni, ma siano modi per risottolineare innanzitutto una continuità del modo di essere anarchici e del pensiero anarchico e della pratica anarchica da Diogene sino ai giorni nostri. Perché questo filo rosso-nero che lega le nostre vite nel bene e nel male, nella storia della civiltà, è un filo che non verrà mai spezzato. E questo non perché una profezia divina ci tutela da qualche parte, ma perché è prettamente inerente alla nostra base di vita. Perché l'anarchismo in fin dei conti è vita, è un modo di essere una vita organizzata, non una vita singolare nel senso di individualità, ma una singolarità esistenziale di una forma di vita che si può praticare nella nostra società. Si può praticare sin da adesso. Certo, bisogna liberarsi di costruire, bisogna liberarsi delle infrastrutture, bisogna liberarsi delle istituzioni, ma tutto ciò è possibile se abbiamo in mente che l'anarchismo non è una filosofia politica, non è una teoria, non è una mera pratica, ma è un ethos che si fa carne, delle forme in cui coloro che si faranno carne riusciranno a declinarlo e articolarlo nei vari contesti socio-geografici epocali di volta in volta vissuti dai protagonisti e non dagli antagonisti delle nostre istituzioni. Detto questo, grazie per essere intervenuti. È una buona lettura, lo dico, o voler.